Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? En forme? Bien installé? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oh wow. Et je vous salue, vous qui êtes tranquillement installé à la maison avec à boire et à manger tout à l'heure un télécrochet. Et nous allons recevoir immédiatement celui qui normalement devrait passer l'heure de cette émission avec nous. Voici, mesdames, messieurs, accueil très chaleureux de la part des filles et des garçons, Philippe Léotard. Le voilà. Mesdames, messieurs, Philippe Léotard, notre accueil extrêmement chaleureux. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien. Là, il marche très bien. Celui-là, il marche? Fonctionne très bien. Ça marche. Vous pouvez même regarder, regardez, vous pouvez même laisser un petit... Ah ouais. Vous pouvez même laisser un petit espace. Salut les épaves. Monsieur dame, pardon. On est ravis de vous avoir, je vous trouve très beau. Très en forme. Monsieur me flatte? Non, non, monsieur est très content. Je trouve très bien. Pas trop chaudement habillé. Non, c'est... On va aller s'installer, donc. Et on va parler de notre actualité, puisque le 2 décembre, depuis le 2 décembre, c'est tous les soirs, mais on va en parler tout à l'heure. Voilà. Hein? D'accord, volontiers. Nous allons recevoir, mesdames, messieurs... Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. Ça va recevoir un garçon qui essaye depuis fort longtemps de venir travailler avec nous. Exceptionnellement, ce soir, nous avons accepté. Voici Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Accueil. Attention, vous faites pas de mal. Hein. Attention, hein. Non, j'ai pas... Allez, Philippe. Vous rattrapez? Ah ouais. Je suis monté en marche. Ah ouais, ouais, non, mais c'est du sport. Oh, Patrice, arrête. Je suis monté en marche. C'est plus rien, là. Malgré mon grand âge, je suis monté en marche. Installez-vous. Mon grand âge, on a quoi? On a 2-3 ans d'écart? Oui, multiplié par 10, ça devrait aller. Oui, c'est ça, on a 20-30 ans d'écart, bien sûr. J'ai 53 ans. Applaudissements, il ne les fait pas, même. Non. Bah... Je les ai faits. Ouais. Donne. Hop, on est là. Laissez-moi faire, comme ça vous l'aurez à portée de main. Alors, attention. Est-ce que vous aimez les runes? Est-ce que vous aimez les runes, tiens? J'adore les runes. C'est ce que c'est? Je les visite tout le temps. Oui. Alors, il ne s'agit pas des runes. Ah, les runes. Les runes. Les runes. Les runes. Ah oui, les runes. Ah, bien, très bien. Bruno, vous connaissez. Oui, alors, oui, on va prendre un premier appel. Bonsoir, votre prénom. D'où nous appelez-vous? Allô? Bonsoir, Philippe Léotard vous écoute. Posez votre question. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Philippe. Votre prénom. Bonsoir, Patrice. Je m'appelle Muriel. Bonsoir, Muriel. Et j'habite Tours, en Indre-et-Loire. Tours, en Indre-et-Loire. Muriel, quel âge avez-vous? J'ai 29 ans. 29 ans, Muriel. Blonde, brune? Brune, les yeux clairs. Bien formé? Non. Oui, oui, ça je va. Plaisante, je plaisante. Muriel, posez votre question. 29 ans, brune, les yeux clairs. Philippe Léotard vous écoute. Alors, il y a plus de 5 ans, j'ai rencontré sur un chantier archéologique un ami hollandais. Et depuis, bon, malgré des ruptures, et puis, surtout en 91, on continue à se voir. Et bon, ma question que j'aimerais poser à Bruno, c'est est-ce qu'on aurait des possibilités de vivre ensemble en France ou aux Pays-Bas? Pas question. Attendez, Muriel, on va être sérieux. 2 minutes. Vous allez, avez un donc sérieux. Un ami hollandais. Et c'est salaud, d'accord. Mais et vous aimeriez bien savoir si la chose peut être plus sérieuse qu'elle n'est. Voilà. Combien de fois vous voyez-vous par an? Depuis 2 ans, 2 à 3 fois, parce que c'est quand même assez difficile. Alors, remarque, vous risquez moins la dispute. Oui, c'est vrai, mais ça commence à être assez pénible. On aimerait... Qu'est-ce qu'il pense, notre ami hollandais, lui aussi? Comment? Qu'est-ce qu'il pense, lui? Eh bien, il est très attaché à la France, et je crois qu'il aimerait venir, mais il a une situation à la haine en ce moment, très intéressante pour lui. Et moi, je m'engage dans l'enseignement en France, donc... Sur le plan professionnel, ça paraît difficile. Bien, écoutez, alors Bruno va tâcher de découdre un petit peu, de démêler tous ces fils. Bougez pas, on va vous arranger le coup. Si Bruno peut faire quelque chose pour nous. On va lui dire notre façon de penser aux Hollandais. Il fait des fouilles, en tout cas. J'espère que Philippe aura la main heureuse. Ben, s'il fait des fouilles archéologiques, à la haie, il risque pas de trouver grand-chose. Hein, non, non, mais il n'est pas dans les fouilles archéologiques. Hein. C'est vous? C'est vous qui êtes dans les fouilles? Non, moi je suis. J'étais dans le patrimoine auparavant, mais maintenant je m'engage dans l'enseignement. Très bien. Est-ce que c'est dans la fouille, justement? Justement, on va voir ça tout de suite. Vous allez apprendre en enseignant. Alors. Vous, malgré votre. Très joli, Philippe. Elle va apprendre enseignant. Allez-y. Malgré votre ami hollandais, vous avez déjà quelqu'un à l'heure actuelle? Bien dernièrement, j'ai fait une rencontre. La chipie! Il y a eu. Laissez-la tranquille!
Dernièrement, c'est vrai que j'ai eu un contact téléphonique très récent, là, qui n'a pas eu de suite, mais ça a été vraiment quelque chose de... Un contact téléphonique, seulement téléphonique? Oui, c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a recontacté. Et... C'était vous? Comment? Alors écoutez, donc en fait, c'est pas si... Si hollandais que ça, quoi. Non, c'est vrai que ça dure depuis très longtemps et bon, on se pose des questions. Il y a beaucoup de doutes, donc parfois, ça devient difficile. Bien, alors, Bruno, cette jeune femme a donc un ami hollandais qui est en Hollande, qui peut éventuellement, vu ce qu'on a entendu, éventuellement y rester. Surtout rester en Hollande, oui. Il restera surtout en Hollande et vous en France, hein. En Hollande. Ouais. En Hollande, oui. En Hollande, on dit dans le Nord. En Hollande, en Hollande. Ouais, vous habitez en Hollande. Ouais, j'ai aspiré, j'ai disparu en français. Vous êtes venu comment, en Hollande? Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Pays-Bas, ouais. Alors, donc parce que si vous voulez, moi, je vois une impossibilité, justement, de l'un vivre avec l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas si emballé que ça de venir vivre en France n'importe comment. Ouais. Même s'il vous a dit que s'il n'avait pas son métier, il serait prêt à venir, je pense qu'il il vous a beaucoup manqué. Ouais. Ah, il a pipoté. Voilà. Donc, ouais, et vous n'êtes pas du tout décidé à le suivre en Hollande, hein? Non, parce que moi, je suis très attachée au patrimoine français. J'ai une formation. Restez dans le patrimoine. Restez dans le patrimoine, Muriel. Oui, oui, continuez à faire des fouilles. C'est vrai. Cherchez. Bon, bah, misez surtout qu'il y a un contact téléphonique, quand même. Misez plutôt sur appel téléphonique ou quelqu'un d'autre que... Il vient d'où, le contact téléphonique? C'est pas très loin d'ici, C'est pas très loin, c'est moins loin que la Hollande. C'est déjà ça. Si c'est un militaire, faites-moi savoir. Oui, si c'est un militaire, on peut vous arranger une mutation quelque part avec mon camarade qui est ici. Non, c'est pas un militaire. Bon. Ah, dommage. Donc, il n'y a pas de rapprochement possible. Vous ne voyez pas Bruno, quoi que ce soit. Bah, y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais pas le hollandais. Oui, c'est proche ou c'est lointain? Dis donc, Muriel, vous êtes pressée ou quoi? Il n'y a pas le feu au lac, quand même. Bruno est tellement précis que... C'est vrai qu'il est assez précis. Ah oui, il est surprenant. Surtout quand il se gourre, vous allez voir. Alors, parce que si ça se trouve, notre ami hollandais, là, il débarque dans 8 jours avec ses valdingues. Bonjour, c'est moi. Non, Bruno, il m'a dit non. Non, mais il peut se casser dans 15 jours aussi, quoi. Ouais, ouais, exact. Donc, si jamais ça déboule, ouvre la porte, quand même. Hein. Non, mais ça ne sera pas avant mai, quelqu'un de fiable dans sa vie. D'ici mai... Téléphone. Il n'y a pas de mais. Bon, Muriel. Oui. Muriel. Oui, allô. On vous embrasse. Oui. Et si vous voulez nous passer un petit coup de fil de temps en temps, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. Au revoir, Muriel. Bonsoir. Au revoir. Excusez-moi pour le téléphone. Nous allons prendre un dernier appel avant la pub. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Martine. Bonsoir, Martine. D'où nous appelez-vous? J'habite dans l'Indre. Dans l'Indre? Oui. Quel village? Près de Villedieu. Ah, près de Villedieu. Alors attention, Martine, posez votre question. Eh bien, écoutez, j'aurais voulu savoir si chez nous, nous arriverons à trouver les objets qui, soi-disant, y sont cachés. Chez vous? Eh bien, écoutez, nous habitons une ferme. Vous avez caché des objets chez vous? Non. Nous habitons une ferme et la rumeur dit plutôt... Ah, il y a un trésor caché. Il y a un trésor caché chez vous. Trésor ou objet de valeur. Oui. Et j'aimerais savoir déjà si c'est exact. Où est-ce que c'est exactement chez vous? Excusez-moi. Villedieu. Oui, que je sache où je vais me planquer, que je sache. Ouais. Non, vous allez venir avec vos pelles, pas tout de suite. Avec nos? Vos pelles. Avec nos pelles? Non. Le trésor de Villedieu, c'est ça? Le fameux trésor de Villedieu, nous encourageons tous les Français qui nous regardent. Allez à Villedieu. Avec leurs pelles. Chez notre ami qui est au téléphone, chez Martine, qui a donc une ferme qui se situe dans quel bourg? À Villedieu. Dans l'Indre. Et la ferme s'appelle? Villedieu, bien. Et c'est madame Villedieu, bien. Il y a un trésor. Alors, Bruno, le trésor caché est-il caché? Et si oui, où? Si oui, où? Non, où? Il va d'abord me le dire à moi pour voir si on peut vous le dire. Bon, qu'il y ait quelque chose de caché, oui, parce qu'il y a... Ok, stop, ça suffit. Oui, on a toutes les coordonnées, on va se débrouiller. Maintenant, on sait que c'est à Villedieu. Hein. Voilà. Oui, il y a quelque chose. Oui, il y a beaucoup d'argent là, beaucoup d'argent. Martine. Ça, on peut peut-être envoyer les militaires là, pour le coup. Là, on peut faire. Là, il y a possibilité d'intervention. Au patrimoine. Merci. Voilà. Alors, d'où viendrait-il ce trésor? Je sais pas, vous êtes sur les fondations d'un ancien château, monastère. Oui, plus qu'un bar tabac ou un truc comme ça. C'est probable. S'il y a un trésor. C'est logique, j'essaie de trouver. Bien sûr, Bruno. C'est près d'un ancien puits, pour moi. Comme vous, ça, vous avez un ancien puits? Oui. Oh là, c'est chaud. C'est... Près d'un ancien puits, pour mais... Pour les calvins, ça va déménager, là. À mon avis, en creusant cet endroit-là, il doit y avoir quelques galeries souterraines. Est, ouest, sud, nord?
C'est profond. Bruno. Mais Dieu. À quelle profondeur? Profondeur. Profond, profond. Voilà. Non, c'est-à-dire que si vous voulez, ça serait à peu près 10 mètres sous les caves. 10 mètres sous les? Sous les caves, c'est-à-dire à partir de sa cave, 10 mètres de profond. On va s'organiser, je vais venir avec une foreuse. D'accord. Bonsoir madame. Au revoir madame. Nous irons à Villedieu, donc dès que possible. Oui, hein, oui, dès que possible. Tournée, peut-être. Et donc une petite intervention peut-être avec les, oui, avec les engins militaires. Avec, oui, là, oui, oui, une compagnie de gendarmerie, ça vous a... On va nettoyer tout ça. Oh là là, on a fait pire. Hein. Très bien, on va envoyer la pub et se retrouver une fois que Bruno nous aura quitté, que nous l'aurons applaudi. Patrice, Philippe Pilotin et le reste, merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Et mesdames, messieurs, nous voici au sommet de la Maison de la Radio pour cette émission. Et Philippe Lotard, la gentillesse de nous accompagner. Pendant ces quelques dizaines de minutes qui nous restent, permettez-moi de vous présenter Philippe Muriel Cousin, qui est à votre gauche. Enchantée. Muriel, Philippe. J'ai un petit intimidé. Voilà, un petit bisou, hein. Alors, Muriel, de quoi êtes-vous venu nous parler aujourd'hui? Je demander peut-être à Philippe, quand vous trouvez qu'une nana est plutôt jolie, comment vous l'exprimez? Est-ce qu'il y a des gestes? Est-ce qu'il y a des mots comme ça? Mais vraiment, hein, Ah oui, elle est bonne. Ouais, tu la connais? Non, mais elle est bonne. Mais tu la connais? Mais non, mais elle est elle bonne. Est bonne. Elle est voilà. Bonne, tu veux dire? Ah oui, non, elle est bonne. Ça arrangera pas le truc, quoi. Exactement. Alors justement, on a été dans la rue et on a demandé à des jeunes hommes, et même pas jeunes d'ailleurs, à tous les hommes, de nous montrer ce qu'ils faisaient quand ils voyaient passer une belle fille. Alors, regardez, voilà. Alors, regardez donc. Comme ça. Je la monte pas du doigt. Hein. Voilà. Mamma mia. Je ferai ça. J'ai du mal à m'exprimer avec les mains. Aïe. Oh, une belle femme. J'arrive pas à siffler. C'est pas très efficace. Vous devez avoir une autre méthode alors. Non, je fais Love Me Tender. Je sais pas, je chante quoi. Bah, j'imagine, moi, alors ok, j'assumerai du regard comme ça, elle arriverait là, puis j'assumerai comme ça. T'as vu les nichons, t'as vu le cul, je sais pas ce genre là quoi. Ça. En fait, c'est pas vrai parce que tous les hommes sont pareils. Waouh. Wow. Bon, alors, on note que reviennent quand même régulièrement. Ouais. Bah, moi, je suis désolé de vous dire que si une jolie femme, ça nous est arrivé de croiser des jolies femmes dans la rue, enfin, moi, jamais j'ai fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, non? Non, moi, je la quitte pas des yeux, j'arrive pas à la quitter des yeux. Et bing, un réverbère. Voilà, ça arrive. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ces gestes, évidemment, sont des gestes, la plupart du temps, qui sont compréhensibles de façon universelle. C'est-à-dire qu'on aille n'importe où, en Égypte, en Suisse, en Grèce, en Italie. Les gestes masculins, ça. Effectivement, pour célébrer la belle femme, ils sont compréhensibles partout. Dans tous les pays, par exemple, si on fait à une jeune femme qui passe dans la rue, est-ce que ça veut dire la même chose? Évidemment. Partout. Oui, oui. Mmh. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des gestes, effectivement, qui sont plus courants dans des pays que dans d'autres. Est-ce que vous aimez, par exemple, si on vous siffle dans la rue, est-ce que finalement, en fait, vous ne trouvez pas ça plutôt sympathique? Si, si. Franchement. Non, mais, oui, franchement, oui. Ah. Non, franchement, oui. On est d'accord. Je pense que les femmes qui disent non ne sont pas. C'est menteux, c'est des chippies. Non, c'est sympathique de siffler une fille dans la rue. Ça veut dire qu'on la trouve belle. Ça veut dire qu'on la trouve belle et qu'on lui signale. Exactement. On n'est pas obligé de faire des trucs immondes. Moi, j'ai une femme qui était habillée à la maison comme un sac à patates. Et chaque fois qu'elle sortait, elle se mettait en mini-jupe, etc. Tout ce qu'il faut, au talon. Et je disais, bon, enfin, quand même, c'est un peu injuste. Dis donc, parce qu'il y a un chantier où il y a des Portugais, quand je passe, ils me font hello. Ça leur fait plaisir, ça leur rend la vie agréable. Allez-y. Alors, on va faire une typologie des gestes. Il y a d'abord les gestes qui commentent les charmes de la fille. Ça, on l'a vu, ça. C'est ça. Alors, non, en fait, oui, justement. Patrice, j'y vais, c'est ça. Non, je vais faire. C'est ça. C'est un crayon. Alors, militaire, ça. Les gestes les plus courants sont, par exemple, c'est-à-dire, on met le pouce et l'index sur la joue, comme ça, et on descend comme ça. Et ça vient de la Grèce antique, en fait, parce qu'à ce moment-là, la femme idéale avait pour célébrer l'ovale parfait du visage. Et comme ça, ça voilà, fait ça, ça fait quoi, ça? Ça fait j'ai mauvaise mine. Non, c'est quand on fait ça, alors oui, c'est... Ah, tu regardes une fille, tu fais... Jamais de la vie, non? Non. Il dit, tiens, homosexuel. Je regarde une fille, je garde mes yeux. C'est un geste qu'on trouve très souvent en Italie et en Espagne. C'est vrai qu'il n'est pas très courant en France. Il y a le tournevis et la joue. Alors l'index vient au milieu comme ça de la joue et tourne comme ça.
Ça, c'est quelqu'un qui est trop petit pour faire ça, non? Pas du tout, alors. C'est la femme du dentiste. C'est la femme du dentiste qui passe. Non, c'est quelqu'un qui a trop petit bras pour monter là. Il y a deux origines. Ça veut dire quoi, ça? Alors, il y a deux origines possibles. Ça veut dire toujours qu'elle est jolie. Hein. Tous ces gestes, ça veut dire que ça célèbre la beauté de la fille. Elle est belle, mais elle a une dent pourrie. Non. Alors, ça a deux origines. Cette première origine possible, c'est que ça veut dire que c'est bon à manger, qu'elle est délicieuse à manger. Ça, faut le savoir. Pour embrasser. Bon, et aussi, l'autre solution qui, à mon avis, est la plus probable, c'est que ça célèbre la petite fossette qu'elle a dans la joue. Vous voyez, quand on fait ça, vrai, ça veut dire qu'elle a une petite fossette et on trouve ça adorable. C'est vrai. Voilà, donc c'est pour... Ils sont cons, les mecs. Alors, ça, on le trouve surtout en Sardaigne, en Sicile et en Italie, d'une façon générale. C'est très rare ailleurs. C'est vrai que si on passe dans la rue en France et qu'un garçon fait ça, on a du mal à comprendre. On lui dit gros dégueulasse. Non. Mais on, en Sicile, faites attention, ne faites pas ça. Si, non, faites-le. Non. On se fait flinguer tout de suite. Ah, oui, si vous faites ça, la femme de son mari. Ah oui, c'est, si on croise un couple. Les seuls dignes, c'est les Corses, ils disent rien. Quand tu vois une femme qui te plaît, tu la regardes et tu dis rien. Rien, tu dis. Rien. Et alors? Et il se passe? Pour lui montrer que tu la trouves belle, tu fermes ta gueule. Ah ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Avec moi, il ne s'est rien passé, mais ça peut arriver. Hein. Alors, le geste, évidemment, international, c'est la taille fine, les hanches. Large. Pleine. C'est vraiment la belle femme. Mmh. Et ça, c'est pareil, c'est universel. Et on le comprend. Au contraire, c'est vrai que c'est moche. Oui. Voilà. Oui. 1m60 de carrure. Mais j'en ai vu. Mais c'est vrai que c'était drôle dans la rue, j'en ai vu qu'ils faisaient des gestes comme ça. C'était, c'était sans forme. Oui, quoi. Ça, c'était... C'est de la rêverie. Oui. Donc il faut vraiment appuyer la taille, c'est sympa. Alors, bon, ensuite il y a les gestes qui représentent la réaction de l'homme. Là c'était ça célébrer la beauté, là c'est la réaction de l'homme vis-à-vis du canon. Alors il y a le doigt à l'œil, alors le doigt il se met comme ça et il descend un peu la paupière. Alors on pourrait croire que... Et on dit ça, une jolie fille? Non, ça veut dire qu'elle nous en a mis plein la vue, qu'on est absolument bluffé. Mais c'est où ça? Alors justement, c'est en Amérique du Sud, essentiellement. Et c'est vrai que dans quelques provinces italiennes, mais c'est vrai qu'en France, pareil, là, on peut croire, les gestes sont très importants selon les pays où on est. Là, bien ce sûr. Geste-là, en France, il ne veut pas vraiment dire quelque chose, quoi. Alors il y a un autre geste qui est très drôle, c'est la moustache retroussée. Alors, ça simule, c'est un vieux geste, très vieux. Oui. Non, mais il est très, voilà, c'est ça. Et ça veut dire, je m'apprête un peu, mais celle-là, je vais me la faire. Celle-là, je vais me la taper. Voilà. Ah, ça va être chou. Le mâle, il prend soin un peu de son apparence, et ça existait, c'est un vieux geste, et quand on avait moustache. Des longues moustaches. Voilà. Alors, mais on le simule. Ah, on simule. Des gens, oui. Vous avez jamais vu des... Si, lycée. On simule, bien sûr. Ça. Et enfin, il y a la troisième partie, c'est là, ça révèle les intentions de l'homme vis-à-vis de la femme. Ah. Alors là, vous en connaissez, je pense que ce serait mieux que ce soit vous qui les fassiez. On connaît un certain nombre d'intentions des hommes vis-à-vis des femmes. Oui, un geste? Oui. Ah non, moi je parle pas par geste. Non, des intentions, on en connaît. Bah, y a par exemple la main en coupe, ce qu'on appelle la main en coupe. En quoi? En coupe. La main en coupe. Si j'aime bien lui ploter les seins. Comme ça. En général, il fait une tête comme ça. Je vais bien lui caresser les seins comme ça. Ouais. Ouh, vous êtes boussin. Enfant. Pouette, pouette. Ah, très bien, pouette, pouette. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait, le camion? Je ne sais pas, monsieur. Pouette, pouette. Et puis, il y en a un autre geste que vous connaissez qui est. Je ne le ferai pas moi, mais qui est. Il est un peu plus... Vous voyez, il simule plus l'acte sexuel. Non, attendez, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Non, c'est, pas, c'est pour mais signaler... Si, non, attendez, Muriel, assure. Excusez-moi, vous rencontrez une jeune fille dans la rue. Vous la regardez, vous faites... et vous finissez par... c'est immonde. Mais d'accord. Immonde. Mais ça marche dans toutes les langues. Justement, c'est immonde. Mais justement, c'est immonde. Mais c'est pour dire à quel point les hommes entre eux, quand ils parlent des filles... Ben, ils peuvent être immondes, effectivement. Non, oui, enfin, ouais, bah, vous êtes regardés, non, il y a peu de chances de conclure à une jeune femme à qui on fait un geste pareil. Mais non, vous ne faites pas forcément devant elle. Mais si, vous venez de dire c'est pour exprimer à la jeune fille. Non, mais pour dire. Non, tout à l'heure, si c'était. Regarde, elle a dit, entre nous. Mais vous voulez dire, qu'est-ce qu'on fait pour dire, tiens, l'autre. Celle-là, je me la ferais bien. Regarde Tony Kranz qui passe, et t'es comme ça, tu fais. Non, vous devez rentrer mort de fatigue le soir. Vous devez rentrer. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Muriel. Voilà, c'est tout. It's all. C'est pour dire que donc. That's all. That's all. Je peux vous dire un truc? Ouais, bien sûr. Tout à l'heure, alors, parce que c'est dans le genre. Il va vous en parler tout à l'heure, il a deux, trois trucs à vous dire. Merci beaucoup, Muriel, au revoir. Nous allons nous retrouver maintenant tout de suite avec l'actualité. L'actualité est Philippe, c'est-à-dire le.
qui donc, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 2 décembre, vous allez être un petit peu attentif. Philippe, s'il vous plaît, un peu d'attention, oui, et de concentration. Elle est partie, elle attend là-bas, si vous voulez lui parler. Depuis le 2 décembre, oui. Jusqu'au 31. Oui. Jusqu'au 31, je ne sais pas, mais le 2 décembre, c'est une date choisie parce que c'est l'anniversaire d'Austerlitz. Que je suis corse. Ah oui, donc c'est corse. Ah. L'anniversaire d'Austerlitz, c'est du sacre de Bonaparte. Ah oui, donc il y a un symbole. Donc, ah oui, oui, c'est volontaire. Alors, ça n'empêche que c'est quand même au Ciné-Théâtre 13. Oui, au Ciné-Théâtre 13. Dites-nous oui. Où ça se situe. C'est l'ancien théâtre du Tertre, qui était le théâtre du Moulin de la Galette. C'est en haut de la rue Le Pic et en haut de l'avenue Junot, rue Girardon. C'est, oui, tout c'est en un haut. Endroit qui appartient à Claude Lelouch, je crois. Je ne sais pas, non, mais ça a à voir, oui. Enfin, c'est grâce à lui que j'y habite en plus. C'est-à-dire que j'ai deux étages d'ascenseur à faire pour entrer en scène, ouais. Ce qui évite beaucoup du trac géographique. Et ce qui me permet d'être à l'heure à chaque fois, c'est fabuleux. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. C'est génial. Et de pouvoir rentrer tard, vous n'êtes pas loin. En sortant, je reprends l'ascenseur, j'en sortant du spectacle. Alors, c'est un spectacle. C'est un spectacle que je fais avec Philippe Servin, parce que ça fait 10 ans que je vis avec lui. Pour me dire, alors quand je le vois, je ne peux pas vous dire, je fais. Bien sûr, oui. Non, on fait un vieux couple. Et bon, on a eu une expérience qui a fait qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Une expérience, je veux dire, professionnelle. Professionnelle et amicale. Et donc, c'est un spectacle qui repose beaucoup à la fois sur son talent de musicien et sur la connivence qu'il y a entre nous. Et vous chantez Ferré quand même. Et oui, il y a trois thèmes, quoi. Il y a les chansons de Léo Ferré, il y a des chansons de nous. Mm-hmm. Et puis il y a des chansons, plus précisément, des chansons écrites par Louis Aragon. Donc des mises en musique par Ferré. Mises en musique par Léo Ferré. Oui. D'accord. Donc voilà, c'est quoi c'est trois courants quoi. Il y a un album qui va sortir, m'a-t-on dit, à la fin de l'hiver, qui va s'appeler Léo chante Ferré. Oui, en gros c'est ça. C'est pas vraiment le titre, mais Philippe Léotard chante Léo Ferré, c'est plus convenable. Mais c'est un petit peu ça quoi. C'est-à-dire c'est venu d'un. J'ai vu Léo Ferré deux fois et la deuxième fois, la dernière fois il y a 4 ans. Il m'a dit, ce que j'aimerais, la vraie consécration, ce serait que quelqu'un d'autre chante mes chansons. Alors, je voulais le faire de son vivant. Et cet enfoiré, nous en ayant pris de vitesse, donc à 14 juillet, on le fait après coup. Mais c'était prévu avant, et c'est dommage, quoi. Alors, si vous voulez voir Philippe Léotard sur scène, c'est donc tous les soirs, sauf le lundi, évidemment. Ouais. Et c'est donc au Ciné Théâtre 13. Et c'est 1 avenue Junot. 1 avenue Junot, voilà. Oui. C'est facile. Patrice. Et bon, on va prendre quelques questions des spectateurs. Allons-y. Bonsoir, votre prénom. D'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Bonsoir. Je m'appelle Bénédicte, j'ai 14 ans et j'appelle de Rueil-Malmaison. Dis donc. Bénédicte, alors, en quelle classe? Seconde. Pas mal. Bof. Normal. Ouais. En retard. Seconde, 15 ans première, ce genre. Non, c'est bien, ouais, c'est bien. Non, 14 ans en seconde, c'est bien. C'est bien. Non, 14 ans en seconde, c'est bien. C'est bien. 16 ans en terminale. Par doublé, quoi. Alors. Oui. Alors, ma question, ce serait donc, je voudrais demander à Philippe Léotard si ça le dérange que son frère soit le premier militaire de France. Est-ce que ça vous dérange que votre frère soit le premier militaire de France? Non. Non, c'est le cadet, de toute façon, ça ne me gêne pas. Hein. Je veux dire, c'est moi l'aîné. Hein. Mais non, ça me flatte plutôt. D'abord, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour l'honneur des militaires, vu qu'il n'en reste plus beaucoup d'autres dans ce pays. Bah, mon papa est militaire. Votre papa est militaire, alors saluez-le bien de ma part. Et si éventuellement on peut faire quelque chose, un petit truc, une mutation, un truc. Et si jamais il veut être lieutenant-colonel, c'est chose faite. Hein. Je lui en parlerai. Ça se trouve, il est déjà général 4 étoiles. Ouais. Ouais. Ça se trouve, il en a jusque-là. Quel grade a votre papa? Adjudant-chef. Adjudant-chef. Ah, oui. Ça va changer, hein, je peux vous dire. Il y a la direction centrale de l'armée de terre. Quoi? Direction centrale de l'armée de terre. Direction. Ah bon, l'armée de terre, c'est la mieux pour les dragueurs. Non, mais bah, écoutez, non, moi, vous savez, moi-même, je me suis inscrit au 2e régiment étranger de la Légion étrangère. Le régiment du génie, quand j'avais 18 ans. Ah ouais. Et pour des raisons de santé, j'en ai été évincé. On croyait que je voulais avoir une pension de l'armée. D'ailleurs, j'y ai pensé trop tard, ça n'était pas une mauvaise idée. Mais dites-lui que mon père aussi était militaire, de carrière, mais enfin, il était militaire parce qu'il a connu deux guerres. Et voilà, on dit fixe en général quand j'arrive, c'est vrai, oui. Mais je ne suis pas officier. Bon, bah d'accord. Embrassez votre adjudant-chef de père. D'accord, et votre émission est super, hein. Merci, mademoiselle. Au revoir. Pix. Au revoir. Nous allons prendre un autre appel, allons-y, bonsoir. Bonsoir, c'est Ariane de Montpellier. Quand es-tu? Très bien, et toi? Allez-y, Ariane, posez votre question. Quel âge avez-vous? Bon, j'ai 22 ans. 22 ans, vous avez... Et je suis étudiante en 4e année de pharmacie. Hop. Ah. Non, vous avez besoin de quelque chose? Alors, voici ma question. Alors, Philippe, j'aimerais savoir pourquoi vous avez arrêté votre carrière de professeur. Des profs. J'ai arrêté ma carrière de professeur par accident parce que c'était quand même ma vocation
Et je commence à regretter de ne pas pouvoir rentrer dans l'enseignement. Mais c'est là que j'y ai tout appris. J'ai arrêté parce que je remplaçais un garçon qui était blessé et il fallait que je continue une tournée. Sauf que j'avais des élèves d'HEC, Subdeco, ESSEC, qui avaient un concours au mois de mai. Vous étiez prof de ? J'étais professeur de lettres classiques et de philosophie. Et il fallait choisir entre la tournée théâtrale et l'enseignement. Quoi. Alors j'ai démissionné le 2 janvier 1968 de l'enseignement. Et quand on démissionne, c'est à vie ? Non, 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 je suis en disponibilité, sans solde, je peux retourner quand je veux, mais je me vois revenir dans une classe de philo. Ah, la balance elle. voilà pourquoi. Vous auriez aimé avoir Léotard comme prof de philo ? Oui, pourquoi pas, parce qu'effectivement, en terminale, j'ai eu un prof qui était très nul, et je pense que... Qu'il aurait peut-être fait mieux, c'est ça, c'est vachement sympa. Oui, oui. J'ai de très bons rapports avec mes anciens élèves, je peux vous dire. Ah ouais ? Ah oui, oui, j'ai... J'aurais pu leur chanter Ferré et Aragon. Hein. Mais je l'ai fait, j'ai tout fait. Hein. Je veux dire, vous savez, quand vous êtes professeur trop tôt, j'étais professeur, j'avais 23 ans, j'étais le plus jeune professeur de philosophie de ce pays, et il faut remplacer par l'enthousiasme ce qui manque à la culture, expérience. En expérience, en lecture. J'étais obligé de lire 3 livres par jour à toute vitesse, parce qu'il y a toujours un guignol qui vous pose. Ça veut dire quoi, ça, monsieur ? Phénoménologie, ta gueule. Alors, il fallait remplacer par l'enthousiasme. Quoi. Alors, j'ai eu des rapports... privilégié avec mes élèves tout le temps, et c'est un peu ça qui m'a appris l'art dramatique, quoi. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez tenu calme et gentil 40 jeunes filles de la HEC-JF qui ont 20 ans ou 19 ans et que vous en avez 25, vous êtes fort. Hein. C'est pas le zénith qui vous fait peur. Hein. Ça vous va, mademoiselle ? Très bien, merci. Au revoir. Ouais. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. On va se retrouver avec Philippe Quintard immédiatement maintenant, Patrice. Oui. Vous avez bien fait de nous parler de Corse tout à l'heure. Oui, j'ai dit Corse. Parce que le temps que vous nous disiez ça, pendant que vous parliez à quelqu'un, on a discuté avec les collaborateurs de cette émission. Et en quelques minutes, puisque vous avez parlé de la Corse, on s'est dit, tiens... On va lui faire un peu de cuisine on corse. On va lui faire de la cuisine corse. Donc en quelques minutes, on a réussi à mettre en place quelque chose. On a fait venir Monsieur Andréi. Avec Monsieur Andréi, nous allons rejoindre immédiatement sous les applaudissements, évidemment, de la foule en délire. Je vous suis ? Oui, oui. Prenez votre micro à côté de vous. Bonsoir, monsieur André. Bonsoir, monsieur de Chavannes. Ciao, André. Oui. Babet. Alors, c'est pas loin l'italien, même. Babet. Là, ça va. Ah, attendez. Les figaté, les cuisi brucci. Ou brucci, ou gage. On vient pas en Corse comme ça. Ah oui, non, voilà, bien sûr. Voilà. Alors, si vous nous allons mettre les petits gilets, quelles sont les spécialités de monsieur André ? Alors. De la Corse. On va commencer. Deux spécialités. Je suis né après la Corse. Deux spécialités, la polenta et le figatelli. Ah oui. Hein? Grossier un peu, non? Oui. Un petit peu. Tenez. Et anguillo. Allez. Non, on n'est pas dans le coin. Si vous parlez Corse, on va pas arriver à suivre si vous parlez Corse. Alors, la polenta. Alors, la polenta. J'ai besoin de Patrice, là. J'ai besoin de Patrice, parce que là, c'est... Ça se fait pas comme ça. D'ailleurs, on ne dit pas la polenta, on dit una bulendaglia. Polendaglia. Una bulendaglia. Parce que le P, la polenta, ça se prononce un peu pareil. Ça n'a rien à voir avec la polenta. Mais si. Et alors, mais parce que moi, je croyais que la polenta, c'était italien, niçois, mais pas corse. Et pas corse. Non, mais la bulendia. Bulendia. Écoutez, d'abord... Hein, c'est le coup du saucisse. Allez-y. Bon, Patrice, là, je vais avoir besoin de lui. Prenez un truc parce qu'il faut tenir quand même. C'est chaud. C'est brouillant. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Attention, ça coupe. Ouais, ça tient ça. Voilà. Ça. Je soulève. Non. Par... Là. Alors, dites tout ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ça c'est un fétou. Ça vous le reconnaissez. Non, mais ça. Que vous mettez dedans. Ça c'est de la farine de châtaigne. De la scieure de bois. De la farine de châtaigne. 220 fois plus de vitamine C que dans la. Attendez. Il n'a rien dit. Mais tu dis avec quoi? Voilà. Alors attends. On va mettre... Attends. Un bon poulain d'ail. C'est comme ça. Et Patrick, il faut tenir. Ah mince. Patrice, alors. Si la... Voilà. Philippe, vous voulez battre? Allez. Bon, maintenant, vas-y, il faut tourner un peu. Hein. Ça sent bien la farine de châtaigne. Allez. Allez-y. Voilà. Et vous le sentez. Hein? Ça mûffe. Regarde, comme c'est. Et une fois que c'est comme ça, c'est que c'est bon. C'est fantastique. Là, c'est bon, c'est fini ? Non, attends, c'est pas fini. Attends, Ouh, l'on fait. Aspect. Non, mais... Tiens, le tout. C'est pas possible. Tiens. Pinard, parce que sinon, on n'est pas rendu. Ouais, je vois. Mais ils peuvent pas touiller aussi, parce que s'ils touillent, ça y a plus vite. Voilà, regarde. Ça, c'est bon, là. Voilà, là, c'est bon. Là, ça devient bon. Tu vois, ça reste
collé au bâton, au poulain d'ail, voilà. Et donc c'est bon. Voilà la poulain, la poulain elle est faite. La poulain d'ail. Voilà. Et ça se mange. Et tu vois quand ça monte. Ça se mange quand on la fait. Alors faim. Ça se mange entre amis. Ça se mange entre amis. Ça chaud. C'était chaud. La poulain d'ail, on ne pouvait pas manger ça tout seul. On mangeait ça à 10, à 15, ouais, à la veillée. Ça nourrit son homme. Absolument. Hein? Ça nourrit bien son homme. Qu'est-ce qui se passe? Là, ici, il y a quelque chose. Alors, c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas mauvais. Alors, là, voilà. Là. Hein? Elle est faite, alors, là. Eh oui, elle est faite. Mais déjà faite. Hein? Elle se coupe avec la ficelle. Voilà. Eh, déjà faite, avec une pédagogie. Voilà. C'est du pain. Comment c'est du pain? Non, mais l'écoutez pas. C'est du gâteau de châtaigne, on disait en français. Peut-être prendre la plus petite part, moi, pour juste... C'est bien, attendez. Vas-y, Patrice, allez, c'est oui, bon. Oui, non, d'accord, mais... Non, mais il a peur de disparaître, là. Non, c'est bon. Hein? Après, tu as plus faim. Ça calme. Ah, dis donc, oui. Peut-être le mettre pas tout à l'heure derrière l'oreille, moi. On appelle ça un étouffe chrétien, quand même. Un étouffe chrétien. Un étouffe chrétien. Non, coupez pas tout. Un étouffe belle-mère. Alors, on va voir le figatelli, vite. Attends, c'est moi qui dirige deux secondes, là, s'il vous plaît. Allez. Vous figatez. Le saucisson. Le saucisson. Comment ça s'appelle? Le saucisson, quoi. Le saucisson. C'est pas du saucisson. C'est de l'âne. C'est de la saucisse. Le figadé, c'est à base de foie de porc. De foie, figadé. De foie de porc, figa de foie. Bien, pas de problème. Marcassin. Quand on a la foie, bien sûr. On mange du figadé. Et ben voilà. Qui c'est qui a mangé le boulot? Ça, c'est vous. C'est celui-là. Ça, c'est quand c'est chaud. Je fais à la braise. Voilà. Attendez, on va en mettre. Ça, c'est du même chaud. Et ça, c'est du fromage. Ça, c'est le fameux fromage corse. C'est du brocho, c'est pas du fromage, c'est du brocho. Aïe. On est tombé, là, quoi, je m'attends. Oh là là. J'ai tout épile sous. Au revoir, les camarades. On n'a jamais travaillé par les siens, merci beaucoup. Il faut leur dire que nous, à Moscou, on y est allé à cheval et eux à pied. Absolument. Et ça, c'est du vin. Si on me dit non, c'est du vin. Si on me dit non, je m'énerve. Non. Hein? Non, c'est pas du vin. Du vin de Calvi. Comme totalement abruti. Il y a du Calvi qui connaît bien. Non, c'est pas Donald, tu l'appelles. Merci beaucoup. Du vin de Calvi. Comme on dit, Chin en Corse. Alors là, saloud. Saloud. Alors, saloud. Tout ça, ça vient de l'espace Cirnéa, il faut le dire. Et si on veut toutes les coordonnées et les recettes, 3615 TF1, rubrique coucou. Voilà. Et alors, ça se boit tiède comme ça. Bim. On va envoyer la publicité le temps que ça chante un peu moins. Juste pour dire ce que c'est, parce qu'on me dit que c'est pas du fromage. Alors ça, c'est du brooch. Oui. C'est du brooch ou le brooch. Ouais. C'est du fromage. C'est un succès. On peut appeler ça un fromage, mais c'est un succès d'année de petit lait et de lait. Voilà. D'accord. C'est pas tout à fait un fromage. Non, bon, voilà, c'est pas non plus un flipper ou. C'est pas du lait caillé. Quand ça sèche, ça devient. D'accord. Dur. Mettre dans un linge humide pour que le sel s'en aille. Ah, d'accord. Non, attendez. Sans blaguer tout à l'heure. Attendez. Juste un petit bout. Bon, d'accord. Et vous allez me dire si c'est du fromage. On va goûter ça parce que vraiment, il faut qu'on... On va envoyer la pub immédiatement. Allez, envoyez la pub. Et moi, je goûte cette divinité, probablement. Alors, vous allez voir. Oh, dis donc, c'est bon. Est-ce que c'est du fromage? Oui. Non. Mais non. Mais c'est pas du poisson. Ça ressemble plus au fromage que... Non, c'est pas du fromage. Il n'y a pas du fromage. Il n'y a pas que ça. Il y a de la pomme. Est-ce que c'est du saucisson? Je n'ai pas goûté encore. C'est très bon. Pendant la pub, pour ça, ça fera une tafune. Hop, roule la boule. Allons-y. C'est parti. Merci. Messieurs, nous voici de retour sur le 102 de la Maison de la Radio. Avec Philippe Plotard, Patrice qui regarde ses fiches. Non. Si, et il y a de quoi parce se concentrer, je vais vous dire. Et là, on va demander au public ici présent de ne pas s'extérioriser trop fort, car nous allons maintenant vous aimer les animaux, évidemment. Ah oui, mais enfin... Léotard, Léo en latin, c'est quoi? Lion. Mais c'est pire que ça. Quia nominor Léo. Voilà. Les tigres, c'est des tigres. Voilà, nous allons parler avec... Alors, prenez-vous, ça pourrait être des serpents. Hein. Ouais. Oui. Donc, on va en faire venir tout de suite un. Hein. Allez-y. Je vais aller voir là-bas s'il veut bien venir. D'accord. J'y vais. Est-ce qu'il veut alors bien venir? Alors là, on est gentil, on fait pas trop de bruit parce qu'évidemment, nous risquons. Hop, il veut bien venir. Chut. Ah non. Chut. On en a parlé, soyez gentils. On respecte le contrat, je ne regarde même pas derrière moi. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas voir ce qui arrive. Avoir un petit animal d'un an et demi. André.
André, et... tu ne peux pas sur le calibre. Ah, il fait ses papates, il fait ses griffes. Il est avec le vétérinaire Michel Allez, Klein, donc alors, apparemment, c'est sous un contrôle total. D'une instance, il est énorme. Allez, et je ne bouge plus d'ici. Il est avec Frédéric Edelstein. Il l'accompagne. Le voilà, le voilà. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, il fait ses papates, il fait ses papates. Oh, le gentil. C'est très dangereux. Oh, il est gentil. On ne se moque pas de lui. Il est beau et tout ça. Il est. Il est où là? Il est juste derrière. Il y a un truc qui m'a frôlé. Il est juste derrière vous. Bonjour le bébé. Regardez. Retournons-nous. Tiens, je te présente Christophe. Ouais. Tu le connais? Michel Klein, vétérinaire. Ah, il n'est pas, attends, il est pas enchanté là. Il y a du alors, monde. Viens, il y a du viens, monde. Vite, ma fille. Elle s'appelle parce que c'est une femelle, Sophia. Elle a un an et demi. Viens. Attends, attends, elle a peur. Ah oui, c'est ça. On va pas l'énerver. Douce. On va pas énerver le chat. Ah, ma fille, brave. Allez, on peut. Bouge pas. Bouge. Ah, brave, chérie. Brave, chérie. À toi, ça. Brave. Voilà, elle a un an et demi. Elle s'appelle Sophia. Et à l'âge de 6 mois. Comme ça, monsieur. Voilà. À l'âge de 6 mois. Elle dormait encore sur mon lit, c'est la raison pour laquelle elle est si docile et puis si gentille. À l'âge de 6 mois ? Elle dormait encore sur le lit, dans la caravane avec nous. Il l'a élevée au biberon. Hein. Voilà, on l'a élevée au biberon, on l'a récupérée, la mère n'en voulait plus, elle l'a rejetée, elle avait 3 jours. Et on l'a élevée au biberon comme un vrai petit chat, comme un vrai petit chien. Puis voilà le résultat maintenant. Regarde si c'est beau. Hein. Alors je voulais vous dire, c'est pas un gros chat qu'il faut avoir chez soi. D'ailleurs, on n'a pas le droit non plus de l'avoir. Mais comment c'est, monsieur ? Eh bien, ça c'est des professionnels. Il n'y a que les professionnels qui ont le droit d'avoir des serpents d'air. Serpents d'air, évidemment. C'est le fils du patron du serpent d'air, Frédéric. Et c'est ma tigresse préférée. Cet animal est apprivoisé, pourquoi ? Parce qu'on l'a élevé au biberon. La mère l'a abandonnée, on l'a levée, donc elle est très près de l'homme, elle couchait pendant 6 mois, 8 mois avec Frédéric dans son lit. On va ramener Sophia, voilà. Et puis on va aller chercher des petits frères, des petites sœurs. Allez, viens Sophia, ils sont bien abordables. On s'en va. Allez, viens vite, allez, si elle veut, devant, hein, Frédéric, allez, passe devant. Hop, si elle veut partir. Allez, c'est quand même allez, impressionnant. Viens, hein. Viens vite. Elle n'aime pas la télé en tout cas, voilà. Voilà. Elle est belle. Ça, c'était donc Sonia, un an et demi. Sonia, elle a des petits, on peut dire des petits frères et des petites sœurs. Qui sont hein. Jacob. Alors, cela dit, sérieusement, on a beau la ramener tout ça, c'est extrêmement impressionnant, c'est et on n'a pas envie d'y mettre la main, parce qu'on se dit que si ça, tout d'un coup, ça se met à, ça se met à délirer. Ouais. Christophe, pardon, on a envie d'y mettre la main. On a envie d'y mettre la main. Bon, regardez ce qui arrive. Alors là, c'est plus facile, vous allez voir, on va déjà plus faire les marlots, là, parce que c'est... Jacob, ça. Alors voilà, ça, c'est Salomon. Salomon. Et il est âgé de 2 mois. Et lui a encore la chance de pouvoir dormir sur mon lit. Oh là là. Et au cirque Pinder, les animaux sont rois. Donc il a tous les droits. Il dort sur le fauteuil, il dort dans les coussins, il dort dans les drodons. Enfin, c'est plus la grosse peluche et le gros chat. Allez-y. Prendre dans les bras. Sinon, on va se le garder jusqu'à la fin de l'émission, peut-être. Voilà. Oui, le Salomon, il est. Celui-là, ouais, non, on peut. Oh, celui-là, il est beau. Voilà. Il est pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur. C'est un gros chat. Sinon, on peut se le garder jusqu'à la fin de l'émission avec nous, si vous voulez. Alors, vous savez que c'est assez rigolo, parce qu'en ce qui concerne Salomon, il a un petit peu la même histoire que la grande que je vous ai amenée juste avant, c'est-à-dire que la mère l'a rejeté. On n'a pas de chance, on a une mère qui ne veut pas garder ses petits et qui les rejette. Et à l'âge de 3 jours, on l'a récupéré. Il fait des bisous. Il faisait froid, puisqu'il a 2 mois. Dernière émission au mois d'octobre. Il faisait froid. On l'a réanimé aux sèche-cheveux, parce que la mère l'avait complètement laissé tomber. Puis voilà, résultat. C'est une drôle de manière de flairer, ça fait tchouk-tchouk. Ouais, ça fait. Voilà. Ouais, comme ça. C'est un cri de ralliement entre eux. Je pensais que c'était ta dernière émission. Ouais. C'est un cri de ralliement entre eux, puis voilà. C'est un gros chat quand même. Hein. C'est un bébé, 2 mois. 2 mois, ça. 2 mois. On peut voir ceux de 4 mois, Frédéric. Alors, je vais chercher les mais adultes, ils font 250-300 kilos. Hein. Voilà, voilà déjà 4 mois, 2 mois plus tard, la taille que ça fait. Oh, voyons. Voilà 4 mois, voilà la différence. Ah, moi, je suis déjà chargé. C'est Jacob. Alors voilà, Jacob a 4 mois. Et lui, il dort plus dans la caravane. C'est fini. Oh, il est gros, Pépé. Voilà, parce que lui, il n'a pas le même caractère que les autres. Ah bon, Jacob, bon, allez. Il est gentil, mais il n'a pas tout à fait le même caractère. Il est gentil, il a l'air très Jacob. Gentil. Mais c'est quand même un type du cirque Pinder, alors ils sont gentils. Oui, ils sont sympas. Jacob, un bon Jacob. Comment tu fais, toi, gentil Jacob. Regardez, allez, Jacob. Là. Il est gentil, le Jacob. Hein. Allez, ton petit hein, frère. Un qui est gentil, Jacob. Un qui est gentil. Bah, alors, comment ça se fait c'est pas la même maman. C'est pas la même mère en ce qui concerne tous les deux. Mais c'est pas la même mère en ce qui concerne tous les deux. Vous avez vu les grosses patates. Mais vous savez que les parents que nous avons qui se produisent dans le numéro sont un groupe mixte, donc où il y a des mâles. Donc il y a plusieurs mères. Et celui-ci, bon, on l'a récupéré aussi parce que la mère n'en voulait pas. On n'a pas de chance avec les mères. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Alors là-bas, c'est Samuel. Oui, il a des griffes là quand même. Ah oui, il y a des griffes. Voilà. Là, c'est pas du tout le même caractère. Vous voyez, Jacob, ça va encore, mais Samuel. Docteur Klein, vous avez dit que c'était comme ça fait.
Comme ça, ça fait. Tiens, tiens, regarde ce que ça va faire. Tiens, vas-y, vas-y. Il a mangé, hein. Il a mangé. Il a mangé. Ouais, c'est gentil. Pas la faim qui le taraude. Oui, c'est ça. C'est juste pour rire. Oh là là. Allez, non, c'est déjà... C'est des gros titis, hein. C'est 25, 30 kilos. C'est des grosses peluches, parce que, indiscutablement, je dois quand même l'avouer, on a énormément de chance parce qu'ils ont tous un caractère. Ah oui, ils sont d'enfer. Voilà, et puis moi, ce que je tiens à dire aussi, c'est que notre ami le public peut venir voir tous nos tigres au cirque Pinder Jean-Richard qui est sur la pelouse d'Aurilly jusqu'au 9 janvier. Ah. Voilà. Jusqu'au 9 janvier sur la pelouse d'Aurilly. Mais trop porte dorée. Mille merci en tout cas de nous avoir apporté ces. Hop. Alors, non, on n'applaudit oui, pas en partant, vous êtes gentils. On va éviter de se faire manger la carotide en direct, ça nous arrange. Et voilà, et puis celui-là, on va l'amener à la table. Il n'y a pas de Salomon. C'est ça, je suis arrivé à chef. Ah, il y a une papate là. Il y a une papate. Voilà. Messieurs, mille merci. On fait clap, 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 juste tout doucement comme ça. Voilà, pour parler. Après, après. Allez, les applaudir. Au... Rendez-vous chez Pinder. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'est ça, au revoir, Michel. Oui. Au revoir, docteur. Salut, merci. Allez, je ne suis pas dans la merde, moi. Qu'est-ce que on je fais garde, on va le garder, celui-là. Ah, je peux le garder. Tu restes avec nous, Titi. Tu restes avec nous, Titi. Allons-y. Immédiatement. Alors maintenant, il s'agit d'un télécrochet, voilà. C'est bien cela? Bah, non, c'est un télécrochet, faire... comme... Je vais pas faire tout le télécrochet avec ce truc dans les bras, parce comme que... Philippe Néotard nous a dit qu'il était corse, on a vite improvisé un télécrochet, non. C'était donc la dernière émission de Christophe de Chavin. Non, pas du tout. Alors, on va dire télécrochet corse encore, hein? Corse. Corse encore. Oui, on est resté dans la tradition. On n'a pas fait Philippe Néotard, mais on a fait thème Tino Rossi. Thème Tino Rossi. Oui, c'est pas la même génération, mais c'est corse aussi. Alors, non. Nous allons prendre des... Vous savez comment ça se joue, mesdames, messieurs. Il y a évidemment un sondage qui est fait parmi vous, le public, qui servait d'applaudimètre, et qui donc, de par là même, je suis un tout petit peu pas du tout totalement à l'aise avec le truc qui est sur mes genoux. Vous voulez que je le prenne? Bah non, mais enfin, si. Je me dis toujours, il est comme ça très gentil, mais je me dis, si tout d'un coup il déjante, on est mal. Voilà, c'est tout. Non. Ça dégriffe comme ça. Il est bien là. Vous voyez? Simplement, pourquoi on a fait Tino Rossi? Parce qu'il y a, c'est vrai, une compilation qui sort avec tous les disques de Tino Rossi. Yes, sir. Et puis un livre qui est fait par son fils, Laurent Rossi. Alors en tout cas, vous êtes... Tino Rossi, mon père, chez Flammarion. Très bien, donc nous allons prendre plusieurs appels et vous allez juger de celui qui vous paraît le meilleur de manière à ce que celui-ci remporte le fil des garnis. Bonsoir à la première personne, s'il vous plaît. Quel est son prénom? Votre prénom, bonsoir. D'où nous appelez-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Yvette. Bonsoir Yvette, d'où nous appelez-vous? De Vendée. Qu'allez-vous nous interpréter? Alors, Chichi. La vôtre, oh, oui. Ah, Chichi. Chi. C'est Katharina, non? Alors, ça s'appelle Katharina, oui. La Katharine. Yvette, nous vous écoutons. Tu n'as que 16 ans et faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. Est-ce ton œil si doux qui les mine? Ou bien les rondeurs de ta poitrine qui les rend fous? Ah, Katharine est ta belle, écoute l'amour t'appelle. Pourquoi dire non maintenant? Faut profiter tant qu'il est temps. Plus tard, quand tu seras vieille, tu diras baissant l'oreille. Si j'avais su en ce temps-là. Ah, madame Katharina. Bravo! Bravo! La main, c'est quoi, là? Vous voulez qu'on... On va peut-être enlever le tir. Là, pour l'instant, vous ne pouvez pas, vu qu'il est comme ça sur ma cuisse. Donc, pour l'instant, on va le laisser se détendre quelques secondes, le temps qu'il ouvre les papates. Mais oui, mais là, il est comme ça sur la cuisse. Donc, de toute façon, je ne bronche pas. Ou alors, on va demander à Maître Kounias, au docteur Klein de venir, par exemple. Ça y est. Voilà, doucement, mon pépé. Doucement, mon titi. Le docteur Klein va le rattraper comme ça. Tu vas aller rejoindre ton papa, ta maman, tout ça. Au revoir, mon pépère. Il est très, très, très beau, quand même. Il est beau, il est magnifique. Ah oui, hein. Superbe. Mais là, il serre un peu les griffes, je suis labouré. Voilà. Allez, viens avec moi. Voilà, on va changer de papa. Voilà. Allez, viens avec moi. Salut, au revoir, mon petit pépère. Salut, t'es beau. Au revoir, mon petit gros pépère. Oh, oui. Non, je ne parlais pas au docteur Klein. Beau garçon. Salut, Toby, merci salut, beaucoup. On n'applaudit pas, mais on salue la bête, en tout cas. Elle est très belle. Mais alors, Yvette, écoutez, alors, en tout cas, Yvette, dès que le tigre va s'éloigner, Yvette. Dès que le tic va s'éloigner, on va demander au public ici présentement d'applaudir pour voir si c'est possible. Réapplaudissement pour Yvette. Pour Yvette, mesdames, messieurs, attention. Maître Cugnas. 6,5 pour Yvette, dis donc. 7,5. 6,5 pour. 8,5. Combien? 7,5. 7,5. Yvette. Oui. Vous êtes en lice.
D'accord. Bougez pas, Yvette. Non. OK. Don't move. We take a second call. Bonsoir. Colette, bonsoir. Bonsoir, Colette. Quel est votre... OK, d'où nous appelez-vous ? De Créteil, de la région parisienne. Colette de Créteil. Quel âge avez-vous, Colette ? J'ai 35 ans. 35 ans, Colette. Mariée ? Oui, un petit garçon, un adorable petit garçon, qui a sélectionné lui-même la chanson Méditerranée, Méditerranée pour sa mamie et ses mamies et toute notre famille. Écoutez, Colette, c'est à vous quand vous voulez. D'accord. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle, et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, plus d'un jardin lui fond comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une paix qui t'a donné, ton décor et ta beauté. Superbe filet, je ne sais pas ce qu'en pense le président du jury. Un superbe filet, oui. Hein? Très belle voix, merci beaucoup. Alors, Colette, alors magnifique voix, attention, maître Fougnasse, 9 alors, points, Colette, à 9 points, mesdames, messieurs. On va prendre un troisième appel, mais évidemment, avec 9 points pour Colette. Je ne sais même pas si ça vaut le coup. On va attendre. Qui est là ? Christiane. Christiane, c'est ce qu'on m'avait dit. Bonjour Christophe. Bonsoir Christiane. Bonjour Philippe Léotard. Bonjour Christiane. D'où nous appelez-vous Christiane ? Je vous appelle de Cannes. Cannes ? Cannes, Côte d'Azur. Bah, oui. Alors, Christiane. Oui. Qu'allez-vous nous interpréter-t-il ? Je vais vous chanter Marinella. Ah non, désolé. Ah si ? Déjà fait. Ah non. Comment non ? Non, non, allez-y. Bien. Marinella, reste encore. Ah non, attendez, non, c'est pas du 78 tours. Chantez cette rumba d'amour, c'est bien, c'est son rythme fou oui, vous emporte bien loin de tout. C'est un pays mystérieux, Chervin, le beau chose. Pays des rêves bleus. Blotti contre ton épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjôlent, un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour. Dansez cette rumba d'amour. Magnifique. Ah, Christiane est en train. Christiane, je regarde maître Fougnasse qui annonce 8,5 à l'applaudimètre. Christiane, je suis absolument navré. Ah, mais c'est très bien. Vous avez un filet formidable, vous nous rappelez quand vous voulez, on vous embrasse bien fort et nous allons prendre Colette, mesdames, messieurs, au téléphone qui vient de gagner. Colette, applaudissements pour elle, Méditerranée. Les sentences du public, président, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas eu une chanson en Corse, quoi. Ah oui ? S'il y avait une chanson en Corse, bah, allez-y, on vous écoute. Alors, je vous chantez une jolie petite chose, Colette. Merci. À complète d'accord. C'est à quoi, non ? Je suis doux, non ? Ah, non. Papa Corse. En casa me nasci un bel amor. En casa me canta un signor. Ma so di già color di dolu. Io rossigno un po' campa. Voilà, c'est juste le début. Je regarde maître Fougnasse. 10 sur 10 pour maître, de la part de maître Fougnasse pour Philippe Léotard. Philippe Léotard gagne le filet garni. Philippe Léotard qui gagne le filet garni ce soir. C'est exceptionnel. Non, Colette, c'est vous. Non, c'est Colette. Alors, évidemment, les trois gagnent quelque chose. Patrice. Alors, ils gagnent tous la compilation de Tino Rossi. Et le livre. Et le livre de Laurent Rossi sur Tino Rossi, chez Flammarion. Déjà, vous avez comme gain ceci. Tous. Les trois. Mais Colette. Voilà, je prends les premiers. Colette, vous avez un petit supplément. Oui. Pas du tout. Vous avez un petit supplément par rapport aux autres. Patrice, de quoi s'agit-il le supplément de Colette ? Préservatif. Ça, déjà. Déjà. Pourquoi pas ? Alors, après, le combi d'Orion, c'est-à-dire un téléviseur couleur portable et un magnétoscope programmable fonctionnant à partir d'une télécommande programmante. Ce qui tombe bien. Merveilleux. Elle a gagné en plus la collection Les Séductrices d'Hollywood aux éditions Montparnasse. Je rappelle que Colette a 35 ans, qu'elle habite Créteil dans 94. C'est bien ça ? Oui. Alors, c'est des films avec Ava Gardner, Ingrid Bergman et Catherine Hepburn, notamment. Oui. Bien sûr. Et pour finir, écoutez bien Colette, parce que pour finir, nous vous offrons un séjour. Vous avez une personne de votre choix ? Moi. Alors, je vais tout vous avouer. Je me suis inscrite au télécrochet par mon petit garçon pour offrir ce voyage à mes beaux-parents, qui sont des gens adorables. Est-ce que vos beaux-parents se quittent-ils non plus ? Pardon ? Vos beaux-parents se quittent-ils ?
Non, mais je pense qu'ils vont apprendre. Hein. Écoutez, ils vont partir en tout cas une semaine, tous les deux, à la station olympique Tignes. Moi, Tignes en Savoie. Tignes en Savoie, c'est-à-dire à Tignes, évidemment. Oui. Et donc, ils vont partir à Tignes pendant une semaine. Ils pourront pratiquer le ski toute l'année, mais là, ils y vont une semaine. Mais je pense qu'ils vont emmener justement leur petit garçon. Ah, votre fils. Voilà. Qui s'appelle ? Il s'appelle Maxime. Caresse à Maxime, amitié au mari, bonjour aux beaux-parents, à bientôt, bisous Colette, au revoir. Au revoir, bisous, et merci au merci, public au revoir. Et merci tout le monde, au revoir. Nous sommes en train de nous quitter déjà. Alors je voudrais signaler quand même, avant de rappeler où se trouve Philippe Léotard, parce que c'est le c'est au studio 13, on appelle ça le studio, non ? Studio non, Théâtre. Ciné 13. Rue Junot. Théâtre de la Galette. Quoi. Avenue Junot. Avenue Junot dans le 18e. Tous les soirs, le poète et talentueux Philippe Léotard, qui est à côté de moi et qui nous a fait le plaisir d'être là. Et si vous voulez aussi le vous vrai. Rendre utile et passer un bon moment, vous achetez la cassette des Enfoirés, cassette vidéo ou disque laser, évidemment. Et vous savez que la majeure partie des recettes de ce disque ou de cette cassette iront au Restaurant du Cœur. Merci de votre participation. Je vois pas le rapport entre les Enfoirés. Moi non plus. Salut Philippe Léotard, merci beaucoup. Demain, François des Garçons Bouchers, merci, bonne soirée. À demain. Bye-bye.